What's up, gentlemen? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Andaria. Donc, Andaria, si vous savez pas, c'est un serveur sous Ripik et j'ai déjà fait une année de série dessus qui a fait à peu près 5000 vues, je crois qu'elle a fait. C'était plutôt cool. Et aujourd'hui, les amis, je crois avoir trouvé une proie. Donc, il a déjà trouvé deux fois du diamant, mais malheureusement, j'étais en train de regarder une vidéo pendant que je surveillais et j'ai pas pensé, en fait, j'ai appuyé F9 et en fait, j'ai vu que Fraps n'était pas ouvert. Donc, comme vous voyez, le joueur est un peu spécial parce qu'il se rend tout le temps au diamant. Donc, selon mes calculs mathématiques, il sait que le diamant est en face de lui. On va regarder vite fait un examen de son inventaire. Vous voyez, il y a juste une pioche Fortune 3 U3 et il y a quand même 61 diamants. Ce qui est normal en soi, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qui est pas normal, c'est qu'il ait trouvé deux fois du diamant. Là, tu vois, encore une fois. C'est exactement. La minute que je me suis retourné, regardez. Il a encore. Je sais pas qui est en face de moi. Slash near. Message. Ben. Dégage. Juste lui dire de dégager. Si tu veux, tu peux m'avouer maintenant et je réduis ton ban. Ton bang, 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 bam, bam, bam. Ok, est-ce qu'il va nous avouer, les amis? Est-ce que c'est un cheater honnête? Oh, s'il veut vraiment que je vérifie. Ben, vérifie. Ok. Ok, mais gros, c'est pas possible. Ils sont caves alors. Ils sont vraiment caves. Tu peux le défreeze. La flamme. Non, 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 il cheat 100%. Il y a soit genre un cheat genre qui peut supprimer ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Oui, mais je crois pas que tu vas trouver. Ils ont sûrement des cheats qui se suppriment comme vape. Mais je suis 100% sûr qu'il X-ray. Ok, je vais regarder ce que je peux faire, ok? À tout de suite. Ah, salut FaZe, pourquoi tu X-ray? Ouais, yo mon gars, c'est QCX. Dive couille. Pourquoi tu X-ray, mec? Mais pourquoi tu me parles? J'X-ray pas du tout. T'es sûr de toi? Ah oui. Tu devrais répondre au téléphone, je pense que c'est la police pour anti-X-ray, mec. Ah, tu m'étonnes, oui. Hey, jeune homme, je t'ai vu X-ray. Avoue tes torts, sinon tu vas être banni beaucoup plus longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Ce serait con de pas X-ray et de se faire ban, hein. Ok, est-ce que t'es en train de te foutre de ma gueule, jeune homme? Pas du tout. Bizarrement, regarde où est-ce que tu t'en allais. Hein? Regarde, j'ai vu ton chemin, je t'ai vu X-ray pendant... pendant 5 minutes, je te suivais, j'écoutais une vidéo pornographique et je te suivais en même temps, tu vois. Et j'ai vu que tu X-rayais. Alors ça veut dire que j'X-ray, ça fait déjà 1h30 que je suis sur le serveur. Je viens juste de miner, j'ai enchanté ma pioche. Et 3 filons de diamants, j'ai un stack et 19 diamants. D'accord. Bon, je t'en veux pas. Ok, mec, je veux pas être méchant, mais comment tu mines si c'est de la chance, ok, franchement, ok. Attends. C'est pas possible, mec. J'ai tout record, mec. C'est X-ray version. Un X-ray qui date de tout à l'heure, quand même.
con, c'était gosse. T'as un truc blanc. Non, mec. T'as X-ray, mon pote me l'a dit, là. Donc, admet, t'as encore une chance d'admettre, FaZe. Il va le trouver, je suis sûr, hein. J'ai confiance à ce petit ami Kazuto Ben, là. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux admettre ou tu veux pas admettre? Wow, c'est quoi ça que t'as tapé? Recycle bin. Jeune homme, je te parle. Ouais. Tu veux l'admettre maintenant ou tu veux qu'il continue à chercher dans ton ordinateur? Attends, il va trouver. Ok. Ou pas. Ben dans tous les cas, même s'il trouve pas, je vais quand même te bannir 14 jours parce que je t'ai vu X-ray et je suis un pro anti-X-rayeur, mec. J'ai mon certificat à l'école de l'anti-X-ray, gros. T'es un pro anti-X-rayeur alors que sur tes serveurs j'X-ray, alors on va dire. Parce que j'ai dit que je veux, c'est moi qui vérifiais les joueurs. C'est vraiment drôle, ce gars-là. Ce que j'ai dit que c'était moi qui était modérateur sur mon serveur. Mais non, Non. Sur ton propre serveur, je sais pas. Ben moi je check pas les cheaters sur mon propre serveur parce que je suis très occupé. Très peu. Je suis occupé à piner ta mère. Allez, bonne journée mec. Donc ouais, le gars il se foutait un peu de notre gueule comme vous avez vu les amis. C'était un marrant, je dois lui avouer. Il était marrant, donc je vais lui donner un peu de crédit pour ça. Il était un peu marrant. Il devrait aller à l'école de l'humour, mais bon. Vu que j'ai mon diplôme, comme je l'ai dit, en X-ray, j'ai pu trouver le jeune homme. Par exemple, je l'ai mal banni, donc notre ami Ben l'a rebanni. Mais en gros, moi j'ai banni pour foutage de gueule plus viré parce que le gars c'était vraiment un fils de pute, quoi. Un vrai fils de pute. Donc voilà, je l'ai démasqué les amis, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut si on peut démasquer d'autres gens aussi. Il y a un gars qui dit Sortifex il cheat, Sortifex. Est-ce que notre ami Sortifex il cheat? Selon mes calculs mathématiques, il est coincé, donc je sais pas. J'ai vu, nous avons un petit cochon qui est en train de miner tranquillement. Nous avons un petit cochon. Qui nous a pas vu. C'est un cochon Spider-Man en fait. C'est Spider cochon. Mon pire ennemi de skill PvP joue sur ce serveur les amis. Oh mon dieu, savez-vous ce qu'on va faire? Ok. Vous savez pas, mais moi je le sais, ok. On va... Ok, regardez ça. Je sais ce qu'on va faire, je reviens. Ok, c'est bon, j'ai reclé le chat vu que j'avais mal sélectionné ce truc. Et là on va faire 7... 7-7 obsidienne. Il est genre, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et là, il est genre, what the fuck. Et là, juste avant qu'il casse, on va faire stone. Et là, on va faire send. Send. Allez, mine tout ça, petit bâtard. Il m'a toujours pas remarqué, j'ai mis de la lave. Je suis plus en vanish, comme on peut voir, je suis plus en vanish. Attends, on va faire 7-7 water. Il me fait drôle. Petit con, va. Ok, je pas sûr, ok, mais je pense que ce gars-là, Fox Y quelque chose, il X-ray pour lui, en fait. À ce que je comprends, ouais, ça a l'air d'être ça, en fait, c'est un peu chelou. C'est un peu bizarre parce qu'il y avait du diamant juste ici. Je sais pas, on va voir s'ils vont prendre le diamant en dessous là, mais c'est vraiment bizarre leur truc. Peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, hein. J'espère vraiment me tromper. Et là, il tourne pas. Et non, il va pas en dessous miner la redstone. Donc peut-être que c'est un fake. Je sais pas. Mais je vais continuer à les observer. Honnêtement, je pense pas qu'il cheat. Il laisse passer plein de diamants comme vous l'avez vu. Donc selon mes calculs mathématiques, il ne cheat pas. C'était juste... je trouve ça bizarre quand même de miner à deux. Mais c'est peut-être une stratégie qu'ils ont. Je sais pas vraiment. Mais chacun sa stratégie. Comme là, on peut voir que lui... À moins qu'il s'enlève... directement au diamant là-bas, c'est quand même... Je vais quand même continuer à regarder lui, mais... lui, il s'en va par là, donc je sais pas, je comprends pas vraiment comment il mine. C'est peut-être juste moi qui est trop attardé, mais d'après moi, lui, il a entendu la source d'eau, donc il voulait se rendre à la source d'eau.
lui continue à miner. Donc moi je pense pas qu'il cheat, mais voilà, c'est mon avis. Tu pourrais me déban parce qu'il y a Zombie Steak là, il a pas trop de cerveau. Il est un peu comme Warrior Peace, et il m'a ban. Juste que je lui ai dit, ouais, j'ai X-ray et tout, puis il m'a dit, ah, t'avoue, il m'a ban. Ok, il connaît pas les blagues, les petites blagues. Donc pourquoi t'X-ray en fait? Mais j'X-ray pas. Bah, donne-moi une bonne raison pourquoi je devrais te débannir. Parce que j'adore ta faction et il faut. Ok, mais Omega, t'es grand youtubeur et t'X-ray? Tu crois que c'est gentil ça? Bah, ça va, c'est pas beaucoup quand même, c'est gentil. J'aurais pu hygiéniser, tu vois, pendant tout le temps. Non, vape c'est mieux. Moi je te conseille vape. Si tu veux, je te donne mon compte premium. Donc, ouais, dis-moi. Selon mes calculs mathématiques, t'as X-ray. Vu que mon ami, c'est pas vraiment mon ami vu que j'ai pas d'amis, mais Zombieftech il t'a banni pour X-ray. Donc, ouais. T'es un méchant youtubeur, mec. T'X-ray sur le serveur. Donc, je vais demander à ton dérangle de youtubeur. Et je vais demander qu'on te mette grave victime sur le serveur, s'il te plaît. Et aussi, juste te dire aussi, tu vas rester banni. A plus. Ouais, donc voilà, Omega a été banni par Icons pour X-Ray définitivement parce que, bon, vous, comme vous avez pu le témoigner, ce YouTuber cheat sur le serveur, donc vraiment, pff, dégoûté des YouTubers, franchement, dégoûté, quoi. Vraiment des gros fils de pute! Les amis, c'est ici à côté de Garfield que nous allons arrêter cette magnifique vidéo. Juste expliquer vite fait le dernier truc qui est arrivé, en fait... Omega, qui est un youtubeur sur Andaria, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il s'est disputé en soi. Il s'est disputé. Il a vraiment avoué, dans le fond, il a dit ouais, j'ai vérifié ma base avec un X-ray. Et le modérateur, comment il s'appelle? Le modérateur Zombitech, il a juste dit ok, je vais te bannir alors, vu que pour X-ray avoué. Il l'a banni alors, je crois, 4 jours, vu que c'était un X-ray avoué, si je me trompe pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il est venu sur TS pour besoin d'aide, et moi j'ai rejoint son channel. Et vous avez vu la conversation juste avant, où se contrôlait un peu et tout. Mais en soi, après ça, il y a eu des problèmes entre les deux, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... comment il s'appelle? Zombitech s'est fait insulter, dox, donner son nom de famille... il s'est fait menacer des DOS, etc. par Omega. Donc c'est vraiment ça qui fait en sorte que je vais vous dire, franchement, je pense qu'il va rester ban définitivement. Même si c'était un troll au début et qu'il avait vraiment pas cheaté, que Zombitech faisait juste son boulot, je crois qu'il va rester banni et dérangé parce que justement des actions qu'il a posées après. Même s'il était énervé sur le coup, je crois qu'il doit assumer les trucs qu'il a fait. Parce que bon, il y a des choses qu'on fait des fois dans la vie qu'il faut assumer les conséquences de nos actes, même si on est fâché. Moi j'ai déjà été banni de skill PVP, pas banni, dérangé de skill PVP à cause de mes actions. Et je crois que même si on est youtubeur, on doit quand même payer de nos erreurs, slash. Moment de rage. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. Donc c'est un épisode assez intéressant. Pour le prochain épisode, j'ai un autre épisode qui va sortir au courant de début de la semaine. Et l'épisode est plutôt intéressant parce que nous allons avoir un modérateur qui rage contre le fondateur, le fameux, et qui décide de cheater sur le serveur pour être dérangé et être banni du serveur. Vous allez voir ça dans le prochain épisode, les amis. Sur ce, je vous laisse. C'était Icons. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao.